Et voilà, c'est Slan. On reprend sur Europa Universalis sur la chaîne 119. On joue l'Autriche. On a une première étape, une première phase qui consiste à faire les unions avec la Bohême, la Hongrie et devenir ainsi relativement puissant. Et ensuite, on va essayer de neutraliser le royaume fantôme qui risque de faire sortir pas mal de petites régions du Serg. Et en le neutralisant, on doit faire rentrer 8 provinces supplémentaires dans le Serg. Ça serait pas mal. On essaiera de passer une petite réforme, pourquoi pas, ou deux. On va voir comment ça se passe. Et après, on va essayer de s'attaquer à la Bourgogne. Mais la Bourgogne, je vais vous montrer. Eh bien, la Bourgogne, elle est déjà aux prises avec la France. Et si la France prend ça, eh bien, je serai très attristé. Voilà, mais je crois qu'on ne peut rien faire pour la Bourgogne. Provence, Lorraine et France. Et elle attaque Bourgogne, Nivernais, Brabant, Flandre et Hollande. Elle attaque juste la Bourgogne. Donc, elle ne peut que gagner. Et le casus belli, c'est en guerre contre Bourgogne. Ouais, mais pourquoi? Défenseur, c'est la Bourgogne qui attaque. Et elle voulait le barrois. Eh ben écoute. D'accord, la France ne fait que n'est peut-être que co-belligérant. Enfin bon, en même temps. Peut-être qu'elle va fiche la paix à la Bourgogne, ça serait sympa. Ici on avait perdu 2000 troupes. Mais on avait ensuite éliminé les rebelles. Le mariage ibérique a lieu. Ouais, ça c'est pas de bol. Ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Mais bon. Je voudrais bien réclamer le trône. Mais ça va pas être possible pour l'instant. Non. Ceci dit, il n'y a pas d'héritier et il a 48 ans. Donc on ne désespère pas. Faut se tenir prêt. Faut vraiment se tenir prêt. On ne peut pas supprimer le mariage et puis rompre l'alliance. Mais ça veut dire il faut s'attendre à perdre 3 points de stab en attaquant la Castille. Et il faudra le faire. Hein. Parce que la Castille, c'est beaucoup de troupes. L'Aragon et Naples, c'est beaucoup de troupes. Mais il faudra le faire. On ne peut pas laisser passer l'occasion de perdre une union personnelle sur la Castille. C'est presque vital dans toutes les parties que je connais. Oh là, il y a quelque chose ici. Quand même pas des rebelles, ça doit être la Valachie là. La Valachie m'embête. Faut que je gagne vite. Je vais pas lui demander beaucoup à la Hongrie. Parce que. Oh, ça c'est un fou, on va pas aller le chercher. Que je veux vite neutraliser la Valachie avant qu'elle décide de repartir avec un petit bonus. Tu fais quoi là? J'arrive pas trop à comprendre ce que fait l'Albanie là. Ah bah si. D'accord, elle va défoncer l'autre. Bravo. Bien joué mec. T'es une terreur. Hop là. Du coup, j'y vais pas, j'ai peur. Ok. Allez, on essaye d'avancer un petit peu. Où sont les troupes? Là, c'est tout. Ok, jusque-là, c'est gérable. Par contre, si l'Albanie est là, c'est que moi, je devrais être chez l'Albanie. Je précise. Je précise comment ça devrait se passer. Je peux pas passer là, je suis bloqué à cause du château qui est là. On y va. Alors je vais pas devenir défenseur de la foi. Hein. Freeze. Freeze, tu fais quoi là? On a pris deux, c'est ça? Et comme ça, il est sûr que je lui en demande qu'un. Overstitch. Overstitch, ça appartient à qui? Et on se calme, on se calme, on se calme. Là, on s'énerve pas, s'il vous plaît. Alors, Overstitch, ça appartient à Utrecht. Utrecht, est-ce que ça existe toujours? Oui, alors je m'en tape. T'inquiète, mon couillon. Bon, un peu coincé là, hein?
Du coup, on va aller 9-5. Intéressant. Hop là. Du coup, on va aller ici, là-bas. Et là, on va monter. Ah, c'est parce qu'on n'a plus de réserve. Hein. Alors là, on a 9-4. Oui, ça, c'est les 2000 âmes qu'on a perdu. Il faut combien ici? Il faut 6000. Donc, on va laisser. Hop là, hop là, hop là. Voilà. Oh là, il y a plein de méchants. Ah, Dubrovnik. On va pouvoir se débarrasser de quelqu'un là. Raguse. Raguse. 26. Dis donc, il est pas prêt de le me donner lui. Comme d'habitude, on prend le fric, on se casse. On va faire pareil en Albanie. Hein. Alors là, on va remonter maintenant. Apparemment, il aurait mis une claque à la Valachie, j'ai l'impression. Ah non, pas vraiment, elle a bougé. Là, il faut que j'aille là. Et là, ici, hop. Comme ça. Ok, ça avance doucement. Hop là. On a une institution. Tension en Sengdo. Bourgogne revendique Sengdo. Bah écoute, revendique. Attaque-moi même si tu veux, hein, Bourgogne. Sérieusement, vraiment, attaque-moi. Super l'héritier. J'ai hâte d'y être. Bon, toi. T'es tout seul. L'Albanie, tu veux pas céder un peu? Non. Et toi? T'es encore un peu loin de ton union personnelle, j'imagine. Hop là. 60. Ouais, t'es carrément loin. Ah, ça, c'est quoi? Le trône de Hongrie. Bah, c'est gentil, mais... je suis diantre, hein. Voilà, je vous l'avais dit, on l'a facilement, hein. On peut même l'avoir deux fois. Ça compte double. Non. Sérieux. Mais c'est pas vrai. Là, je passe pour un idiot. Hein. Bon. Alors, l'Albanie. Non. Et le trône. Non plus. C'est même pas moi qui l'aurais chopé finalement. Bon. Tout ça pour qu'au final, ils finissent par céder. Alors, là on monte. Ah, ça c'est bon ça. Ça c'est vraiment, vraiment bon. Vraiment, vraiment bon. Hop.
Hop là. Tu lâches là maintenant ton truc. Merci. Alors du coup, je suis en guerre contre la Valachie. Ça doit le faire. Elle, on a une grande puissance. Ah, j'ai une coalition. Elle est moche, ma coalition. Ouais, elle est moche quand même. Ah non, ça va aller. La France 40, c'est bon, là, tout ça. 51. C'est un truc qui va disparaître très, très rapidement. C'est quand même pas loin. Hein. Mener à bien. On a quoi? Modif des réserves nationales plus 15. Écoutez. Avoir des dépenses. Recouvrer la Silésie, ouais, mais c'est pas... C'est pas l'urgence, hein. Allez, faites la coalition. Faites-vous plaisir. On va annuler ça, tout ça, rapidement. Ensuite. Alors. Demandez la paix. Il va pas vouloir, très bien. Pas de soucis. Alors, moi, je suis à mon combien, là? Reine dramatique. Le Tyrol, j'aimerais bien faire péter les deux points qui me manquent là-haut, mais c'est trop tôt. Oui, il y a plein de petites bestioles qui veulent faire une coalition. Ah, il est là-bas, lui. On va aller coincer doucement. L'Albanie, c'est une dépendance ou quoi? Non, c'est un allié dans notre guerre. Bah oui, forcément. Et donc, je peux en appeler du monde. Hop là. Alors, il nous reste combien de temps dans cet épisode? On a encore beaucoup de temps. On a encore beaucoup de temps, mais on risque de passer un tout petit peu de temps quand même à faire baisser tout ça. Alors, mariage, avec sanitaire, alliance garantie, trêve. Ouais, on est pas mal quand même là. On est bien protégé. Parce que, avec elle, on est déjà à plus de 100, c'est ça? Ah bah oui, on est déjà à plus de 100. Alors, perte de l'instabilité. Oh bah oui, oh bah oui. C'est juste pénible, ça. J'ai pas envie de payer mes technos plus chers. Mais en même temps, j'ai pas envie de d'énerver mes clairs. Allez, c'est reparti. Ah ben, je peux pas. M'en suis-je de moi, là? Bah, dis donc, il se passe quoi, là? En guerre contre qui, toi, l'Ottoman? Kandahar, Crimée, Karamania. Oh, bah, bonne chance. Entre les trois plus petites nations du jeu. Attention, hein. Ça rigole pas. Bien. Peut-être démanteler mes forts, moi, là, pour le coup. Pas qu'ils me servent à rien, mais. Ils me servent absolument à rien. Ok, on est combien là-haut? 30%. 30%, il n'y a rien de méchant. Ok. Allez. Ça va, venez pas m'aider, vous. Parce que j'ai trop de réserves militaires, c'est ça. C'est bon, tu veux bien la finir maintenant, ta guerre? Alors. Vassal. 27, c'est pas méchant. C'est 27 contre qui? C'est vraiment pas méchant. Hein.
on est d'accord que c'est pas super méchant. Hein. Mais il veut pas. Mais il va vouloir, moi je vous le dis. Allez. C'est pas lui qui a le siège? Non, c'est pas lui. C'est lui. Ouais. Allez hop, on y va. Non, mais tu vas devenir vassal, mec. Je suis pas à ça près. Crois-moi. Ça a boosté un tout petit peu ma coalition parce que t'es pas dans le même coin, quoi. Tu vois, t'es genre un petit peu orthodoxe, du coup. Les gens s'en fichent à moitié, quand même. Du coup, tu me fais perdre tellement peu de points. Je revérifie, mais... tu me fais perdre, bah voilà. Rien, en fait, ça y est. Ah, Venise, 7 points. Bosnie, 13 points. Hongrie, 1 point. Salzbourg-Igène, voilà, c'est tout, quoi. Tu vas devenir vassal. Bientôt. Quelqu'un m'insulte. C'est pas sympa. Hop là, je le prends. Et je vais faire monter ici. Ça, je le ferai plus tard. C'est juste pour lui donner l'opportunité de descendre en dessous de 75. Et quand je voudrais les donner à un ordre, je paierai. Allez! Allez, est-ce que t'es d'accord maintenant? Ouais. Eh ben c'est parti. T'es mon vassal. Trop une bonne nouvelle pour toi. Allons-y, allons-y. On va avancer maintenant. Alors, on a encore la coalition, là. Ouais, on a une coalition de chochottes, quand même. Hein. Tout ça, c'est moins 48, 41. Bon, c'est pas le moment de lancer une grosse, grosse offensive. Hein. Après... on pourrait aller grignoter Frioul. Hein. Bientôt. Oh, lui, il veut plein de choses, lui. Istrie, Venise... Ouais, non, mais... t'as pas des revendications vraies, sincères dessus. Revendique, bah oui, c'est tout. C'est pas méchant, méchant. Bon, on ramène tout le monde. On va renforcer tout. Il manque 13 000 hommes. Autant dire qu'on va laisser passer du temps. On va se stabiliser. On va faire ami-ami avec nos nouveaux vassaux. On va envoyer quelqu'un chez les pays outragés qui sont le plus outragés et qui m'embêtent, comme la Bavière par exemple. Allez hop, on va l'améliorer. On va même lui garantir l'indépendance, ce genre de choses. Allez, on va faire comme si on était alliés. Salzbourg, mes gens, tu comptes. Voilà. La Hongrie décide de te reperdre. Alors, on va aller là. On a la place ici, ouais. Ici, on a 10, ça c'est celui du Tyrol, et ça c'est celui qui va là. Il nous en manque un bout là. Hein. Non, il m'en manque pas, d'accord. Ça c'est... Ouais, ouais. C'est... Ils ont pris cher, eux. Alors, des impôts, toc toc. C'est parti, les séparatistes. Normalement, il y a quelqu'un qui y retourne. Voilà, toi. Tu les neutralises, tu les fais baisser et après on va descendre la maintenance. Ils sont assez baissés. Hop. Et la marine. Alors la marine, je n'ai toujours pas vraiment besoin, je trouve. Hein. Ouais, allons-y. Ok. Trahison contre Autriche, ça j'aime bien ça. Allez hop. Donne-moi 2% et demi de professionnalisme. Et alors, t'es pas content dans le Tyrol, ouais. Bah écoute, le Tyrol, on va baisser. Hein. Du coup, j'imagine que je me fais moins, là. Bah ouais.
Obligé, je me fais moins. C'est pas grave. Allez, on y va. C'est parti, il nous reste 10 minutes et j'ai un petit peu peur que ces 10 minutes soient très calmes. J'aime vraiment pas les flottes, là. Y a personne qui veut de ça, là. Toi, achète-moi mes flottes. Donc, un montant de la dette de la Hongrie, selon que t'as plus de 2 années de revenus. T'as eu des dettes, toi, la Hongrie? Pourquoi t'as des dettes? 1070! Ouais! C'est gore, quand même. La Valachie, elle m'aime bien, déjà. Ils sont cons, hein. La Bohème, on va arrêter de soutenir les loyalistes, là, y a plus besoin. Bon bah écoutez, hop, nos dépendances. Toi la Bavière ça va déjà nettement mieux. Hop, et j'aimerais bien vendre mes saloperies là. Venise va pas vouloir. Ragus non plus. Si, et hop, pas grave, c'est pas un bon prix mais je les vends. L'Albanie. De galère pour 10, allez hop, je vends aussi. Hop, on a plein. Ok. Zéro. Allez hop, les vaisseaux de transport. Tac. Vendre une flotte. 3. Pour 0. Hop. On coupe encore. On a une flotte de 1. Oh, bah merci, c'est gentil de m'avoir fait tourner en bourrique. 2 pour 30. Bah écoute, prends. Ok. La Serbie. Il y avait qui c'est qui m'avait dit qui m'achetait une flotte là. L'Albanie, non. Les Ottomans, on n'est pas. Ou pas en guerre. T'es en guerre contre qui, toi? Grenade, Maroc, Marrakech, Tadjikistan. Bah, ça va bien se passer. Ferrare, vendre une flotte, le 29. Non, t'as plus de sous. Allez, hop. Choisir, 3, hop. Démanteler. Voilà, allez, c'est parti. Mais il nous faut 11 000 hommes. Go. Donc, bah, Venise, je vais l'attaquer, mais est-ce que j'ai une revendication sur Venise? Ouais, j'en ai plein, là. Je vais prendre la Dalmatie. Et les états pontificaux. Déclarer la guerre. Il n'y a pas grand monde qui viendrait t'aider, mec, hein. Le problème c'est que si je prends tout ça, je peux pas valider parce que j'ai pas Frioul. Donc je pourrais attaquer les états pontificaux, prendre un petit bout. L'idée ça serait de voir combien il me faut au total, mais faut que je prenne, faut vraiment que je puisse prendre plus quoi. Allez go. Toi, on peut être amis. Pas de raison qu'on soit pas amis. Alors, voilà, je suis la Bavière garantie. Je savais pas que ça comptait comme un truc, là, la garantie. Ça m'embête. Ben, si, je le savais, mais... J'avais juste envie que ça le fasse pas, quoi. Allez, hop. Oh, là, la Hollande. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Hollande? Au final, il a pas perdu grand chose, lui, hein, il a perdu que ça. Hein. Ouais, il a perdu que ça. C'est pas bien méchant. Par contre, la Hollande, elle est formée, elle va commencer à nous emmerder. Hop là. Alors, la Bavière, ça a été améliorée jusqu'à 100, c'est très bien. On va continuer à améliorer nos alliés.
Après, on va faire deux revendications ici. Alors, qu'est-ce qu'on monte là? Pardon. Excusez-moi. Il me semble que voilà, c'est modificateur d'impôts ou de réserve. Et donc, je prends les impôts, moi. On a toujours besoin de plus de sous. Plus. Toujours plus. Hop. Là, on a quoi de possibilités? Pas terrible là. Hein. Et là, ça c'est pas mal ça. Parce que plus on augmente le maximum, 469, attention. Hop, 400. Oui, bah super, pas très flagrant non plus. Le maximum, le gain par tour dépend du maximum. Ça y est, la coalition se dissout. On va penser à faire notre petite revendication. Il faut qu'on aille prendre Frioul, hein, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Il faut aller prendre rapidement et puis il va falloir commencer à s'occuper de la Bourgogne. Encore beaucoup d'expansion agressive contre la France. Voilà. Le problème, c'est que la Bourgogne, c'est vraiment un petit bonus, alors que le royaume fantôme, il faut s'en occuper. Et comme on doit prendre tout ça... Alors, est-ce que tu vas pouvoir t'en occuper, Autriche? Est-ce que t'as 3000 hommes, là, vraiment? Ouais, t'as 3000 hommes. On va filer un coup de main. Ça m'embête un peu. Ouais. Là, il y a 50, donc on va pas filer un coup de main avec eux. Mais... On va les filer un coup de main là. Hop là, et puis là. Période difficile. De l'argent, s'il te plaît. Merci. Quoi? 10 ducats? Non, pas merci. Allez. Voilà, tu m'as tout coûté là. Voilà. Je t'en veux un peu quand même. Hein. Par contre, je vais sauver tes terres. Comme ça, tu vas m'aimer encore plus, beaucoup plus. Voilà. Hop là. Il va falloir penser à créer les troupes qui me manquent. Ou là, Venise, Venise, on se calme, Venise. Juste Frioul. Ah oui, il faut que j'attende un peu. J'ai une revendication sur la Dalmatie. Je sais pas d'où elle sort. Hop là. Donc, là, ici. La guerre, non. Il y a beaucoup de monde, hein. Et la Bourgogne, est-ce que c'est l'autre objectif? Nivernais, Hollande, Ravensbourg, Navarre, Ferrari. Par contre, lui, il n'a personne. Puis tout le monde vient ici. Là. Tout le monde vient gratos. Le problème, c'est que je sais pas si je peux revendiquer des trucs. Faut que je fasse un coup. Que je vois ce que je pourrais prendre. Alors, toc, toc. Et on est loin d'avoir les canons, me semble-t-il. Ouais, 7. Et on est à 4. C'est pas énorme. Et alors là. Et ben, alors là, ça va le faire. Donc la France l'a pas, nous on l'a pas, c'est pas grave. Ok. Bah écoutez, on va se retrouver pour le dernier épisode tout à l'heure. Je fais un tout petit peu plus court. Non, même pas. Ça fait 30 secondes. On va se retrouver pour le dernier épisode tout à l'heure cette semaine. En théorie, on devrait pouvoir finir Venise.
et peut-être soit mettre un pied en Bourgogne, soit mettre un pied en, eh ben, dans les États pontificaux. Il faut avancer dans les États pontificaux quand même un petit peu. Il faut au moins qu'on prenne de façon à ce que la prise suivante coûte moins de 100%, sinon on se fait avoir. Voilà. Donc il faut prendre Romagne Urbino, quoi, je pense. Parce que Rome coûte extrêmement cher. Oh là 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 là. À mon avis, il faut prendre 3 là. Donc faut vraiment faire baisser l'expansion agressive. En même temps, on fait tout ce qu'on peut pour qu'elle baisse vite. Et elle baisse pas mal vite. Hein. Après, l'expansion agressive, on peut s'en taper une coalition, c'est pas un problème. Hein. Voilà, on se retrouve tout à l'heure à 18h. On termine ça. On a nos deux unions personnelles, ça nous a pas pris 2 heures, vous voyez. On a déjà commencé à grappiller Venise, on a déjà commencé à construire, on a une force, on a pris un vassal, on va de ici jusqu'à tout ça, c'est nous. Hein. Voilà, déjà. Et on a joué 17 ans, c'est tout. Juste 17 ans, vous voyez, on est déjà en train de border l'Ottoman là. On a la bordure, la Moldavie aussi, hein, c'est à nous ça. Alors, on va jusque-là. Et notre allié, c'est lui là. Tout ça, c'est notre allié. Ouais. Voilà, plus là-bas. Et ben là, il y a le petit, la cerise sur le gâteau qui nous attend. Non, t'as une. Quelle déception. Voilà. Bon, on se retrouve à tout de suite.